sommes 16 élèves de la classe de CM2 de Mesucapi, de l'école de Guirigny. Notre commune compte 2070 habitants au dernier recensement en 2019. C'est une ville rurale qui appartient à la communauté de communes de Bertrange et qui a obtenu le label Cité de caractère de Bourgogne-Franche-Comté en 2021. Nous sommes là pour vous parler des énergies d'hier, d'aujourd'hui et de demain de notre commune. Pour cela, il est nécessaire de présenter un bref historique. Guirigny possède un riche passé industriel et artisanal. C'est un haut lieu de la métallurgie française, voire européenne. En effet, ici ont été forgées de nombreuses ancres, chaînes, matériels pour la marine, mais aussi d'énormes quantités d'obus pendant la Grande Guerre avec une importante participation des femmes. L'histoire guérinoise avec la métallurgie débute avec les premières forges au XIVe siècle qui appartenaient aux seigneurs de Guirigny. À cette époque, un haut fourneau et deux forges s'y trouvent. Dans notre ville et ses alentours, trois conditions naturelles sont réunies abondamment. Le minerai de fer de bonne qualité, le bois des forêts environnantes et l'eau des rivières. Puis, en 1640, Arnaud de Lange fait construire au confluent des deux Nièvres une grosse forge avec roues, soufflets et marteaux hydrauliques. Colbert, le plus grand ministre de Louis XIV, recommande alors d'employer pour la marine des fers revenant de Guirigny de préférence à tous les autres. C'est en 1744 que Babot de la Chaussade rachète les forges et les modernise en utilisant cette force hydraulique renforcée avec le creusement d'un bief à la confluence des deux Nièvres, aujourd'hui appelée Nièvre de Chantilly et Nièvre d'Anzambie. Babot est alors à la tête du plus grand complexe industriel de France, voire d'Europe. Avant même d'être vendue au royaume, elles prennent le titre honorifique de forge royale en 1755, puis elles sont vendues à Louis XVI en 1781. En 1823-1824, trois nouveaux bâtiments sont construits, deux ateliers de chaîne et un bâtiment à usage de magasins et de bureaux. Avec la révolution industrielle et l'apparition de la vapeur, le charbon de terre appelé houille se substitue progressivement au charbon de bois comme combustible principal des forges. Enfin, en 1904, les nouvelles aciéries sont localisées dans la zone de Villemenant et continueront à fonctionner jusqu'en 1971 avec les énergies nouvelles de la révolution industrielle, en particulier la vapeur, mais aussi plus tard, l'air comprimé et l'électricité, énergie que nous évoquons plus tard. C'est dans ces aciéries que seront forgées les deux ancres de 15 tonnes du paquebot France à la fin des années 50. Aujourd'hui, chaque bâtiment des forges a retrouvé une nouvelle fonction que l'on peut voir sur cette mosaïque. Par exemple, les anciens bureaux sont devenus la salle des fêtes, appelée Espace François Mitterrand. La clouterie est forgée et forge Petite Chaîne a été aménagée au théâtre. La fonderie est désormais une salle de gymnastique. De plus, l'énergie hydraulique ancestrale est désormais utilisée pour fabriquer une énergie verte et écologique qui fera l'objet d'une explication plus détaillée. Nous voici devant la dernière roue à aubes du site des forges royales. Il faut imaginer que ce lieu en composait au moins deux autres. L'énergie hydraulique, combinée avec l'énergie musculaire humaine et animale, a été prédominante en ces lieux pendant plusieurs siècles et a été utilisée dès l'implantation des premières forges au milieu du XVIIe siècle. Ici, c'est l'eau de la Nièvre qui est d'abord retenue dans le biais par un barrage, puis libérée selon les besoins de l'homme à l'aide de l'abbé ou pelle. Actionner la roue à aubes, cette pelle ouverte faisant jaillir l'eau avec force sur l'épaule de la roue, sur sa partie inférieure. Voilà la pelle ouverte faisant jaillir l'eau sur l'épaule de la roue, la faisant tourner. Pour stopper la roue à aubes, la pelle est simplement fermée. Ainsi, c'est la force du courant qui entraîne la roue à aubes.
Sa rotation permettait d'actionner un énorme arbre-racan qui transformait ce mouvement de rotation en mouvement de va-et-vient alternatif à une ou plusieurs masses. Cet arbre, très lourd pour absorber les vibrations et les secousses, était généralement en bois avec des cannes fixées en bois ou en métal. Ce principe permettait d'activer des martinets et des marteaux utilisés aux travaux de forgeage pour étirer et amincir une pièce de métal. Le lourd marteau venait tomber sur une enclume sur laquelle l'ouvrier appelé le martineur aura disposé la barre d'acier chauffée. Comme on peut le voir sur la maquette du musée de Garigny, le marteau est mis en mouvement par des cames fixées à l'arbre horizontal. Voici le marteau, les cames. Ces cames le soulèvent, puis le baissent, retombées en tournant. Cela permet au marteau de frapper la barre d'acier à intervalles réguliers. Sur le même principe de l'arbre à cames, le mouvement de rotation de la roue à aube permettait d'activer de gros soufflets de forge et de générer une ventilation mécanique régulière et efficace. Cela a rendu le travail des ouvriers moins pénible, a provoqué un accroissement de la production en autorisant l'augmentation de la taille des foyers de forge et de celle des fours. Les cames placées de manière décalée sur l'arbre, alors là on a la roue qui tournait, qui faisait tourner du coup l'arbre avec les cames décalées, permettait d'activer les deux soufflets de manière alternative et de créer une soufflerie permanente. Et du coup, ça activait des gros soufflets. Ainsi, les feux de forge étaient attisés en permanence et atteignaient les plus hautes températures. Mais comment fonctionnaient les forges? Le principal combustible utilisé jusqu'en 1880 était le charbon de bois obtenu par le brûlage à 1600 degrés Celsius par les charbonniers dans les forêts des Bertranges. Il permettait de produire des fers d'une qualité supérieure qui ont longtemps assuré la suprématie sur les autres établissements. Ce charbon de bois était amené par les âniers ou muletiers qui effectuaient des allers-retours entre la forêt et les forges. Puis dans la moitié du XVIIIe siècle, arrivent de nouvelles énergies en même temps que la révolution industrielle. Mais ainsi, en 1844, est construit un nouvel atelier à Villemenant qui comporte deux engins de forgeage, un marteau à soulèvement entraîné par une machine à vapeur, un marteau à pilon à vapeur, marteau pilon de 5 tonnes. Marteau de pilon à vapeur à simple effet, mâche trombone de 5 tonnes. Et c'est hauteur de chute 2 mètres. De même, à Guérigny, on peut voir dans les rues quelques voitures à vapeur, mais aussi arriver du train à vapeur sur la ligne de Clamcy en 1877. Des machines à vapeur telles que la locomobile ou le tracteur permettent aussi à cette époque d'entraîner des bateaux, des pompes, des broyeurs, mais aussi de labourer. Il faut préciser que sur le site des Forges Royales, deux turbines hydrauliques remplacent les roues à aube en 1900. Elles permettent de transmettre leurs mouvements à des machines grâce à un réseau de poulies et courroies dont quelques vestiges sont encore visibles sur la façade de certains bâtiments. Voici les deux turbines qui sont reliées à des engrenages. Les engrenages font tourner une roue qui entraîne les courroies. Et les roues peuvent transmettre les mouvements à d'autres bâtiments.
Il est à noter qu'il avait été envisagé de réutiliser ces deux anciennes turbines, mais elles se sont révélées trop vétustes pour être réhabilitées. Mais l'idée n'en est pas restée là. C'est l'une des deux turbines hydrauliques. L'eau tapait dans ses pales qui la faisait tourner. Au début du XXe siècle, avec l'inauguration en 1904 et HCEI de 1990, la confection des chaînes au feu de forge, travail particulièrement pénible, a été améliorée avec l'adoption de potences pour la manutention de la presse hydraulique pour le sertissage de marteaux pneumatiques. Dans les années 1920, la soudure électrique sera utilisée pour les petits calibres des chaînes. En mars 2022, l'eau est à nouveau utilisée à Guérigny, non pas pour créer du mouvement comme c'était le cas pour les roues à aubes ou les deux anciennes turbines, mais pour créer de l'électricité. La vie citroélectrique utilise comme toute installation la hauteur de chute et le débit de la rivière. Cet aménagement est une micro-centrale au fil de l'eau, ou de bâche sud, car le diamètre de la vis est de 2,70 m environ, et la hauteur de la chute de 2,27 m. Elle porte le nom de vis d'Archimède, du nom de ce grand scientifique de l'Antiquité qui a vécu au 3e siècle avant Jésus-Christ, auquel on attribue notamment le principe sur les corps plongés dans un liquide, mais aussi ce dispositif qu'il aurait mis au point lors d'un voyage en Égypte, permettant aux habitants du bord du Nil d'arroser leur terrain. Dans notre cas, la vis tourne dans le sens du courant et n'est pas utilisée pour monter l'eau. Dans la vis génère son mouvement de rotation et donc une énergie mécanique transmise à son sommet. Puis la vitesse de rotation de la vis est augmentée dans une boîte grâce à un système d'engrenage avant d'être transmise au générateur qui convertit cette énergie mécanique en énergie électrique envoyée dans le réseau. À noter que le système mis en place à Guérigny permet le passage des poissons qui franchissent ainsi la chute, comme le montre la vidéo. L'installation de cette vis a pu être possible grâce à l'intervention d'un camion roulant qui a permis de faire passer au-dessus du bâtiment à cochon une première pièce de 10 tonnes, puis la turbine de 8,5 tonnes. Nous sommes en direct du Forge Royal où aujourd'hui, lundi 4 avril 2022, est inaugurée la vis hydroélectrique. Sa mise en service a été opérée la semaine dernière et cette turbine, mise en rotation grâce à la force hydraulique, va injecter de l'électricité dans le réseau Guérigny. Il est prévu une production annuelle d'électricité d'environ 316 MWh, soit l'équivalent de la consommation d'environ 1300 téléviseurs ou 205 foyers. À Guérigny, jusqu'à présent, se trouvaient peu d'installations écologiques hormis quelques panneaux photovoltaïques sur le toit d'habitation individuelle. Comme dans toutes les communes, l'électricité est l'énergie la plus utilisée ainsi que le pétrole, comme en témoignent les nombreux camions et voitures qui traversent notre ville. Cette production d'énergie électrique propre, estimée à la valeur non négligeable, à 316 MWh par an
et le signe une transition écologique qui devrait se poursuivre. C'est très important pour notre planète et pour une nouvelle génération.